Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi sur les pas de votre famille. Lisons 1 Roi 15, les versets 1 à 4. 1 Roi 15, les versets 1 à 4. La dixième année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaca, fille d'Abisalon. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Pour conclure, l'histoire montre que les mauvais choix se sont étendus sur notre progéniture. En raison de nombreux et grands exemples bibliques et personnels que nous observons, nous avons la puissance de briser les malédictions générationnelles simplement en empruntant un autre sentier, le sentier étroit. Nous avons tous été modelés par une certaine dynamique familiale. Alors que nous affrontons les tempêtes des problèmes familiaux et luttons pour grandir ensemble dans la foi, souvenons-nous qu'il y a un Dieu qui désire nous sauver et qui veut que nous reproduisions la famille céleste, afin que nous montrions au monde comment être des familles qui aiment Dieu. Qu'offre aux idées. Devenez le mentor, le grand frère ou la grande sœur d'un enfant en famille d'accueil. Discutez des options de réussite avec lui. Devenez une famille pour lui et dans un esprit de prière, essayez de l'orienter. Lisez l'histoire intitulée « How to be an active gospel-centered mom ». Comment être une maman active centrée sur l'évangile de Brooke McGoodwin, disponible sur Web Focus on the Family, sur Internet. Parlez à une personne dont la vie de famille est troublée et qui a réussi à surmonter cette difficulté en brisant la malédiction générationnelle et en changeant la direction de sa vie grâce aux directives divines. Notez 5 dynamiques familiales qui peuvent amener un enfant à se rebeller dans le monde d'aujourd'hui. Étudiez l'histoire de Jacob dans la Bible. Notez de quelle façon ses choix et les choix de certains membres de la famille ont affecté sa femme et ses enfants. Réfléchissez à une autre métaphore que celle de la fleur en tant qu'équivalent de la croissance humaine. Réfléchissez à votre propre parcours et à la façon dont votre vie et votre dynamique familiale vous ont renforcé. Comment utiliser cela pour aider quelqu'un d'autre ? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les chapitres 29 à 31 du livre de la Genèse. 1 Roi, le chapitre 15. Ainsi que dans le livre Prophète et Roi, chapitre 7, Jéroboam, les pages 71 à 76, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que dans le livre Child Guidance, Diriger l'enfant, aux pages 530 et 531, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que l'article disponible sur Internet, Focus on the Family, être parent. Focus sur la famille. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage.